Our message titled, notre message intitulé Live in Love. Vie dans l'amour. Live in love. Vie dans l'amour. Romans chapter 12. Romains chapitre 12. Verse 9 to 13. Verset 9 à 13. Live in love. Vivez dans l'amour. Now we should live in what? Nous devons vivre. We should live in what? Nous devons vivre dans quoi? Good. Romans 12. Romains 12. 9 to 13. 9 à 13. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual favor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Live in love. Vivez dans l'amour. There are some words here that the Holy Spirit have mentioned this morning. Il y a des mots ici que le Saint-Esprit a mentionné ce matin. One of it is, et l'un de ces mots est, be sincere. Soyez sincère. There is sincerity. Il y a de la sincérité in love. Dans l'amour. He said, hate evil. Il dit, ayez le mal en horreur. You can't love somebody. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. And you are not sincere with him. Et vous n'êtes pas sincère avec lui. You can't be living in love. Vous ne pouvez pas vivre dans l'amour. And at the same time, et en même temps, you live in evil. Vous vivez dans le mal. So when you are a man of love, alors lorsque vous êtes un homme d'amour, for God, pour Dieu, and mankind, et pour l'humanité, you have to hate evil. Tu dois haïr le mal. Which means evil is your enemy. Le mal est ton ennemi. And there are different types of evil. Il y a plusieurs types de mal. Not only killing is evil. Ce n'est pas que tuer qui est mal. Dis voisin. Not only killing. Il n'y a pas que le fait de tuer evil. Qui est mal. Can you say to the neighbor? Dis voisin. Not only killing. Il n'y a pas que le fait de tuer evil. Qui est mal. Say jealousy. Dis la jalousie. Also evil. Cause le mal. Many types of evil. Plusieurs sortes de maux. Jealousy. La jalousie. Hatred. La haine. Backbiting. Le commérage. Pride. Le mensonge. L'orgueil. Laziness. La paresse. Prayer. Fasting. Yeah. Laziness in prayer and fasting. La paresse dans le jeûne et la prière. All of these are evil. Toutes ces choses sont le mal. Evil is not only killing somebody. Le mal n'est pas que de tuer quelqu'un. Evil, le mal, is everything est toute chose that does not please God. Qui ne fait pas plaisir à Dieu. Dis voisin, evil, le mal, is everything est toute chose that does not please God. Qui ne fait pas plaisir à Dieu. Yes. He said, you should hate evil. Il dit, vous devez haïr le mal. He said, you should be sincere. Vous devez être sincère. What is sincerity? C'est quoi la sincérité? Being sincere is being truthful. Être sincère, c'est être vrai. Yes. And this aspect of love, et cet aspect de l'amour, carries a particular power. Porte une sorte de puissance. That's why you have love. De sorte que lorsque tu as l'amour, people fight you. Les gens te combattent. Because if they don't fight you, parce que s'ils ne te combattent you pas, become very powerful. Tu vas devenir très puissant. So when you love people, alors lorsque tu aimes les gens and God, et Dieu, you become very powerful. Tu deviens très puissant. It is that power, c'est cette puissance that provoke your enemies. Qui provoque tes ennemis. So you can't be in Christ Jesus. Donc tu ne peux pas être en Christ Jésus and be a baby.
et être un bébé. When you are in Christ, lorsque tu es en Christ, and you are still a child, et que tu es encore un enfant, c'est parce que your love ton amour is not enough. N'est pas assez. When your love in God, lorsque ton amour en Dieu and human being, et envers l'être humain is enough, est assez. You carry power, tu portes la puissance in your Christian life, dans ta vie chrétienne. And he said, have honor. Et il dit, il faut honorer to one another. Envers les uns et les autres. You can't honor people you don't love. Tu ne peux pas honorer les gens que tu n'aimes pas. That's why I see when somebody does not honor you, voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un qui ne t'honore it's pas, a clear message, c'est un message clair that he does not love you. Que cette personne ne t'aime pas. He said, serve others above yourself. Il dit, servez les autres au-dessus de soi-même. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? God will love you the more. Dieu va t'aimer plus. Depending on how much love. Dépendant de l'amour. You have for mankind. Que tu as pour l'humanité. Some people think that God will only love them more. Certains pensent que Dieu va les aimer plus. Because they go to church. Parce qu'ils partent à l'église. Because they give offering in the church. Parce qu'ils donnent l'offrande à l'église. Or because they send seed to the pastor. Ou alors parce qu'ils envoient la semence au pasteur. There are people, il y a des gens who are in church every day, qui sont à l'église chaque jour. But out of church, mais hors de l'église, they despise people. Ils méprisent les gens. There are people, il y a des gens who have envelopes in their hands every day, qui ont des enveloppes dans leurs mains. À l'église to put tight, pour donner la dîme. But yet, mais jusque là out of the church, hors de l'église they are very proud. Ils sont tellement orgueilleux. If you don't live in love, si tu ne vis pas dans l'amour, you don't live in God. Tu ne vis pas en Dieu. If you don't live in love, si tu ne vis pas dans l'amour, no matter how many anointing oil, no matter the quantity of anointing oil you rub on your body, quelle que soit la quantité d'huile d'onction que tu mets sur ton corps, God is not inside there. Dieu n'est pas là-dedans. No matter the amount of communion you will take here, quelle que soit la quantité de communion que tu vas prendre God ici, is not inside there. Dieu n'est pas là-dedans. No matter the quantity of anointing water you are using per day, quelle que soit la quantité d'eau ointe que tu utilises par jour, God is not inside there. Dieu n'est pas là-dedans. If you don't live in love, si tu ne vis pas dans l'amour, matter how many titles you answer in the church, quel que soit le nombre de titres auxquels tu réponds à l'église, apostle, pastor, apôtre, doctor, prophète, pasteur, docteur, prophète, you don't live in love, si tu ne vis pas God dans l'amour, is not inside that title. Dieu n'est pas dans ces titres. That is why, voilà pourquoi, a proprietress, une propriétaire, a proprietor, a president, un président, a statesman, un homme d'état, who live in love, qui vit dans l'amour, most of times, la plupart du temps, if you look at his character, si vous regardez à son caractère, you will see Jesus there, vous verrez Jésus. And such people, et de telles personnes, no matter how fast they lost their position, quelle que soit la façon dont ils perdent rapidement leur position, you don't see them fight, vous ne les voyez pas combattre, you don't see them complain, vous ne les voyez pas se plaindre. Any time we live in love, toute fois que nous vivons dans l'amour, many times we will leave it for God. Plusieurs fois nous laissons des choses à Dieu. I don't know, somebody's getting me. Anytime you are living in love, à chaque fois que tu vis dans l'amour, that your life you are living in love, que ta vie vit pour Dieu, many times, plusieurs fois, you will leave it for God. Tu vas laisser à Dieu. So when you see people, non, lorsque tu vois des gens, who as many times as possible, qui aussi possible que ce soit, they are living their situation for God, ils laissent leur situation à Dieu, is because c'est parce que they are living in love. Ils vivent dans l'amour. He's your best friend. C'est son meilleur ami. Your best companion. Ton meilleur compagnon. He speaks so much. Il parle beaucoup. He trains you. Il te forme. He counsels you. Il te conseille. He lectures you. Il te appreciate yourself. Appréciez-vous. Your human being
inside you. Votre être humain en vous. To live in love. Pour vivre dans l'amour. Frustration comes in the life of Christians. La frustration vient dans la vie des chrétiens. And pastors. Et des pasteurs. Who does not live in love. Qui ne vivent pas dans l'amour. Love. L'amour. We are talking about. Dont nous parlons. Is not a house. N'est pas une maison. It's a character. C'est un caractère. Of God. De Dieu. When they say live in love. Lorsqu'on dit vie dans l'amour, it doesn't mean that you should open the door of the house. Ça ne veut pas dire d'ouvrir les portes de la maison. And go and stay inside. Et d'aller vivre à l'intérieur. Huh? It's not a building. C'est pas un bâtiment. It's what? C'est quoi? A character. Un caractère. Of who? De qui? Of the Lord. Du Seigneur. God Almighty. Dieu Tout-Puissant. Expect to see your behavior. Attends voir votre comportement. Your character. Votre comportement. All around you. Tout autour de vous. In your going out. Dans votre sortie. And your coming in. Et dans votre entrée. As you keep on confessing him. Comme tu continues de le confesser. You keep on confessing God. Tu continues de confesser Dieu. So he too want to see that character. Alors lui aussi veut voir ce caractère. Around. Tout autour. Because you cannot be doing everything in God. Parce que tu ne peux pas faire toutes choses en Dieu. And then you destroy a fellow human being. Et tu détruis l'être humain. The highest people who pretend in life. La plupart des personnes qui font semblant dans la vie are not unbelievers. Ne sont pas des incrédules. They are Christians. Ce sont des chrétiens. Why? Pourquoi? Because our love. Parce que notre amour have not yet attained the highest level of anointing. N'a pas encore atteint le plus haut niveau de l'onction de When Dieu. Your love carries anointing, lorsque votre amour porte l'onction, it begin to work for you. Ça commence à œuvrer pour vous. How does it work for you? Comment est-ce que ça opère pour vous? It gives you visions. It gives you visions. Ça vous donne des visions. Love you have for man and God. L'amour que vous avez pour Dieu et l'homme. It gives you good health. Vous donne la bonne santé. Just imagine how you feel. Imaginez juste comment vous vous sentez. When you have problems with somebody. Lorsque vous avez des problèmes avec quelqu'un. And all of a sudden. Et soudainement. You forgive the person. Vous pardonnez à cette personne. You let go the person. Vous laissez partir cette personne. It's like you have entered a new life. C'est comme si vous êtes entré dans une nouvelle vie. Without prayer. Sans prière. Light. Vous vous sentez léger. You say, oh, thank God. Vous dites, oh, merci Seigneur. I have forgiven this man. J'ai pardonné à cet homme. You start feeling lighter. Vous vous sentez léger. The more you are lighter, comme vous, plus vous êtes léger, the more you are healed. Le plus vous êtes guéri. The more you are lighter, le plus vous êtes léger, the more you are blessed. Le plus vous êtes béni. The more you are lighter, le plus vous êtes léger, the more you have visions. Le plus vous avez des visions. The more you are lighter, le plus vous êtes léger, in the spirit, dans l'esprit, the more you prosper. Le plus vous prospérez. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dis voisin. The more you are lighter, le plus tu es léger. In your body, dans ton corps. And in the spirit, et dans l'esprit. The more you prosper, le plus tu prospères. The more you prosper, le plus tu prospères. That is the aspect God lives in us. C'est l'aspect où Dieu a besoin en nous. So whatever behavior we give to God, alors quel que soit le comportement que nous démontrons à Dieu, because he is God, parce qu'il est Dieu, that behavior, ce comportement, is not enough, n'est pas beaucoup, to him, pour guérir, until he sees you, jusqu'à ce qu'il vous voit, hein, offering that same behavior, offrant un comportement extra, to the people he has created, à ceux-là qu'il a créé. So your gift. Alors votre don in the church, à l'église, your gift, votre don to your pastor, à vos pasteurs, because of God, à cause de Dieu, before God, devant Dieu, is not yet enough, n'est pas encore assez, until you are able, jusqu'à ce que vous êtes capable, also offer that same gift, d'offrir également ce même don, or even above that gift, et même peut-être au-delà de ce don, to your neighbor, à votre voisin. That's why women les femmes that prepare
salade, qui prépare la salade, chicken, le poulet, and take to their pastor in the church. Ils apportent à leur pasteur à l'église, and then they prepare plantain and pepper. Et ils préparent le plantain avec du piment to their husband. Pour leur mari. They don't love God. Et n'aiment pas Dieu. Women go to church. Les femmes vont à l'église. Call their pastor. Elles appellent le pasteur. Daddy. Daddy. My papa. Mon papa. In the house. À la maison. They call their husband. Elles appellent le mari. Papa Linda. Le père de Linda. Papa John. Le père de Jean. Am I talking to somebody? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? God is just looking at you and he's laughing. Dieu vous regarde et il sourit. He's looking at you and he's doing what? He's laughing. Il vous regarde, il se moque. When you live in love, lorsque vous vivez dans l'amour, you must understand the principles. Vous comprenez les principes of Christian relationship. De la relation chrétienne. Today, aujourd'hui, many relationships are destroyed. Plusieurs relations sont détruites. In and out of the church. À l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Parce que les chrétiens ne vivent pas dans l'amour. What you don't love, ce que vous n'aimez pas, no matter how far you pretend to be with it, peu importe comment vous faites semblant d'être avec, you will soon abandon it. Vous allez très bientôt l'abandonner. What you don't love, ce que vous n'aimez pas, no matter how far you pretend, peu importe comment vous vous faites semblant. Because sometimes, parce que parfois, some people don't love you. Certaines personnes ne vous aiment pas. But they pretend to be with you. Mais ils font semblant d'être avec because vous. Of the benefit they have. À cause du profit qu'ils ont. That's human being for you. Ça, c'est l'être humain that's pour a human being that are not afraid of God at all. C'est pourquoi l'être humain n'a pas du tout peur de Dieu. They know they don't love you. Ils savent qu'ils ne t'aiment pas. But they keep on wasting your time with them. Mais ils perdent le temps avec toi. And you too begin to waste time with them. Donc si tu perds ton temps avec they have somebody that they love for. Ils ont quelqu'un qu'ils aiment. It's not you. Ce n'est pas toi. Like when we used to be in school. Comme quand nous étions à l'école. You see young girls in the university. Vous verrez des jeunes filles à l'université. They have about 5 boyfriends. Elles avaient au moins 5 petites amies. You say, you see this one? Et dis, tu vois celui-ci? It's when I want to eat ice cream. C'est celui que je veux quand je veux la crème. I will go to him. Je vais vers lui. You say, you see this other one? Et dis, tu vois l'autre ci? When I want to eat. Lorsque je veux manger, he is always having food in his house. Il a toujours à manger chez lui. I will go to him. Je vais aller chez lui. He said, but that older one, mais l'autre là, he does not have anything, no. Il n'a même rien. But I just like him like that. Mais je l'aime juste I comme love ça. Him like that. Je l'aime comme ça. You see? Vous voyez? So when your love is enough, alors lorsque cet amour est assez for God, pour Dieu and for someone et pour quelqu'un that God has created, que Dieu a créé, you will sacrifice with vous, them. You will sacrifice with them. Vous allez vous sacrifier avec eux. Under rain, under sun, sous le soleil, sous la pluie, you will be there. Vous serez because of your love. À cause de votre amour. The people who pretend, les gens qui font semblant, as far as they have what they want, as far as they receive what they want, aussi longtemps qu'ils reçoivent ce qu'ils veulent, no matter how comfortable you keep them, peu importe comment, de manière confortable vous les gardez, they will leave you. Ils vont vous abandonner. So it's very easy to know. Alors c'est très facile de savoir who live in love. Qui a besoin de l'amour in God. En Dieu. Very easy to know. Et c'est très facile who de savoir live in qui vit en amour. By their actions. Par leurs actions. And God expects all his children. Et Dieu attend que tous ses enfants. In this earth. Sur cette terre. Whether tall. Qu'ils soient grands de taille. Or short. Qu'ils soient petits de taille. Whether clean. Qu'ils soient propres. Or dirty. Ou ils sont sains. Whether those who pretend. Ou ce soit ceux qui sont semblants. Ou ceux qui sont sincères. God expects everybody. Dieu attend tout le monde. To live in love. À vivre dans l'amour. Sincèrement. De manière sincère. Love is capable. L'amour est capable to clean the heart. De nettoyer le cœur. And gives you courage. Et vous donner la bonne santé. It creates in you. Il crée en vous an atmosphere. Une atmosphère de la passion. Because whatever is happening around you, parce que quel que soit ce qui se passe autour de vous, he speaks to you. Il vous parle. Love speaks.
L'amour parle. Love speaks. L'amour parle. If you are somebody who bear love in you, si vous êtes quelqu'un qui porte l'amour en vous, you will realize that vous allez réaliser que it is speaking in you qu'il parle en vous all the time. Tout le temps. You develop serious feelings to people. Vous développez des sentiments pour les autres. When you are eating, lorsque vous mangez, you start getting worried. Vous êtes inquiet. Whether the people you see around you that have also eaten. Si ceux qui sont autour de toi ont mangé. You want to share every good thing the Lord has blessed you with. Vous voulez toujours partager toutes bonnes choses avec lesquelles Dieu vous a béni. You want to be patient with the position that God has put you into. Vous voulez toujours être patient avec la position dans laquelle Dieu vous a mis. The spirit of love, l'esprit d'amour, always gives glory to God. Donne toujours la gloire à Dieu. Whether it is rain, qu'il y ait la pluie ou le soleil, glory be to God. Gloire soit rendue à Because Dieu parce que he created il a créé both sun le soleil and rain. Et la pluie. He created both the rich and the poor. Il a créé les riches et les pauvres. Love l'amour does not distinguish ne fait pas de distinction. People are doing today in the family. Comme vous, vous faites aujourd'hui dans la famille. Some of you, you are speaking only to that auntie who have money. Certains d'entre vous ne parlez qu'à celui-là qui a l'argent. The one that does not have money. Ceux qui n'ont pas l'argent. You don't even want to hear her voice. Vous ne voulez même pas entendre leur voix. So if you don't live in love, alors si vous ne vivez pas dans l'amour, you begin to appreciate any things. Vous commencez à apprécier des choses terrestres and heavenly things. Que des choses célestes. Love will not distinguish. L'amour ne fait point de distinction. In every circumstances. Dans toutes circonstances. Because parce que the heart of love un cœur d'amour does not sleep. Ne dort pas. It prays for people. Il prie pour les autres. It weep and cry for people. Il pleure pour les autres. Heart of love. Un cœur d'amour. We persevere till the end. Il persévère jusqu'à la fin. Because of Christ. À cause de Christ. When you love, lorsque vous aimez, you will like to see the end of a thing. Vous aimerez voir la fin de la chose. Yes. Oui. Thanks for watching. Subscribe, like and share. God bless you. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse.